concernant la présence du sélectionneur, on s'est entraîné deux fois au centre Sidi Moussa. Il était présent, il est venu voir les séances. On a échangé, lui et moi, sur le championnat, sur pas mal de points. Voilà, après, je pense que tout le monde peut reconnaître des performances de Zakaria Najdi depuis le début de saison. J'ai un avis en tant que ex-sélectionneur d'équipe nationale. Pour moi, il a le niveau et il aurait pu peut-être partir à la CAN. C'était peut-être pas son moment, mais aujourd'hui, il enchaîne. C'est le seul joueur, je crois, qui a fait tous les matchs depuis le début de saison. Il est irrésistible, il joue juste. C'est un athlète qui fait plaisir à voir jouer et puis à s'entraîner tous les jours. Il est là, il est vraiment entraînable. C'est quelqu'un qui comprend le football, j'échange beaucoup avec lui. On peut le mettre à gauche, à droite, en 10, attaquant. Voilà, c'est un garçon de club et c'est un garçon d'équipe. Il joue juste. Quand il marque les buts, c'est qu'il doit marquer ou quand il doit faire les passes décisives. Donc c'est un plaisir pour moi. Et Inch'Allah, il va être appelé avec les Fennecs et il pourra montrer tout son talent en équipe nationale.